Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Planet Crafter qui vient de sortir de sa phase d'Early Access après 2 ans je crois. Il y a 2 ans aussi j'avais créé des vidéos sur le jeu et je me relance sur Planet Crafter. Donc je lance ma partie maintenant. Voilà, sur la planète, le sauvetage. Bienvenue sur votre planète assignée. Votre mission consiste à faire avancer le processus de terraformation du monde, de faire générer l'eau de chaleur, la pression nécessaire. Tout d'abord, atteignez 175 000 Ti, créez une atmosphère bleue. Sentinel Corps, année 3058. Ok. J'ai quoi ici? Quelques ressources. De l'eau, de l'oxygène. Là, fabriqué. Allez. C'est parti pour la récolte de ressources. Pour commencer les premiers crafts. Je fabrique un sac à dos, un réservoir T1, fabriquer une micro production, d'accord. Et toutes ces ressources. Faire attention à l'oxygène à gauche. Voilà, je suis averti de ça. Tourne à ma capsule. Je peux faire déjà, bah je peux faire le sac à dos. Sac à dos que j'équipe de gauche. Et je peux faire, il me faut du cobalt. Un réservoir d'oxygène. Plus, hein, ça servira pour de futurs crafts. Ah, un coffre. Il faut récolter maximum de choses. Ah, c'est très désertique, sec, on va dire. Là-bas en haut à droite, c'est notre vaisseau. Ça doit être notre vaisseau craché. Oula, ouh, et à la limite là, on va fabriquer un habitacle, fabriquer une micro puce de construction. Le réservoir, faut que je gagne un peu plus d'oxygène. De construction. Construction. Magnésium. Pomme. Pomme. Si. On va voir un petit peu. Le magnésium. Pomme. Récolter ou 20. Magnésium à côté là. Enfin, je m'éloigne un peu, c'est ça. Ah, si j'en avais un là-bas, quelque part. Alors, micro-puce de construction. Voilà, je l'équipe. Maintenant, de construction requise. Qu'est-ce que je viens de faire là? À déconstruction, super. Et l'autre d'abord.
de magnésium. Voilà. Action. Et là, je peux construire un habitacle. Alors, par contre, je sais que, bon, là, forcément, on va terraformer cette planète. Théoriquement, il va y avoir de l'eau au bout d'un moment. Et cette zone risque d'être inondée. D'accord, mais bon. Par contre, je peux pas m'éloigner de beaucoup. Ce que je vais faire, je vais crafter un petit module comme ça. Simplement pour récolter. Base. Des ressources. Ah. Récolter des ressources de base, je disais. Et après, je pourrais m'éloigner un petit peu pour construire un peu plus haut là-bas. Hein. Je pense, je sais pas, par là. Un petit peu plus haut. Là, t'as l'abri de. Belle station dans le secteur. Ça c'est bon là, ici. Coffre, je peux faire des coffres. Coffre dedans. Farmer les ressources. Farm du farm à les premières minutes, forcément. Ça vous embête de voir cette façon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela est un peu à chaque fois de avancer ces phases. Mais bon, je sais que des fois les personnes aiment bien aussi hein, tout en jouant aussi de leur côté. Bien regarder. Faire un coffre. Du titane. Maintenant la touche. Maintenant la touche contrôle. Contrôle, clic gauche. Clique sur la ressource et on. La ressource. Je pourrais faire un autre. Coffre, regardez. Chaque coffre pour chaque ressource. Faire quelques-unes comme ça, mais je pense pas de pouvoir faire les ressources là. Faire pour les principales là, comme ça. Quand même pas mal de ressources. Pour avoir suffisamment de place ici pour mettre à. Je commence déjà à avoir soif. On aura ma première bouteille d'eau. Hein. Et que je crafte la bouteille d'eau d'avance. C'est sympa.
Alors aussi pour crafter, c'est pareil dans le menu de fabrication, on appuie sur CTRL, comme ça nous permet de rester dans le fabricateur. Atelier, en fait. Atelier de fabrication. On sort pas du menu à chaque fois. Et ici. Donc après pouvoir poser mes premières sous-énergies. Prendre tout le fer. Hein. Fer, moi je vais. L'éolienne, je vais la mettre là. Les éloigner un peu. Déjà elles seront un peu. Peut-être pas immergées. Les éloigner. On n'est pas obligé de rester à côté de sa base. Donc là je fais pareil, je fais CTRL. Je pose toujours CTRL, là je maintiens la touche CTRL. Voilà, là, je peux poser. Alors si là je tiens plus CTRL, et voilà, je suis sorti du menu. Hein. Pose une là. Je fasse attention quand même à ces météorites là qui tombent sur le coin du nez là. Un peu d'oxygène bas, j'y vais. La petite construction. Et on voit que c'est tombé ici. Hein. Pas mal de météorites tombent là, mais c'est tout. C'est un bon point aussi, ça, parce que ça nous donne des ressources. Ça donne des ressources gratuites. Hein. Ah, trop marché non plus, midi à 14h, me prendre un météorite sur le coin du nez. Là, les premières foreuses, il faudrait du titane. Là j'ai même de l'aluminium gratuit là, comme ça qui est bien. Titane. Faire mes premières foreuses. Voilà, là j'en ai que. C'est gratuit, ça c'est bien. Par ici. Là. Allez, je vais prendre ma petite dose d'oxygène. Et là, il me demande déjà de fabriquer. Ah. Là, je t'en dis. Mon petit chat qui me demande pour sortir. Ça peut être évident. Hein. Bon, je vais y aller. Et donc là, les premières foreuses, pareil, je vais les mettre là, là-haut. Là. Et là-haut, ou un peu plus loin, ça sera moins de chemin à faire. Foreuse. Jamais dit. Ah, j'ai fait le. Sortie. Bon, là, j'en ai plus assez pour fabriquer, donc. Je suis pas resté dans le menu de construction, du coup. Jusqu'à. Bien, je vais pouvoir en poser. Ok, jusqu'à ce que. Peut-être redescendre parce que là sinon. Faudrait que je me prenne une bouteille d'oxygène au pied. Peut-être secours là parce que là. Et voilà. Très vite là. Descendre l'oxygène, vite. Oh là là, ça sent la mort ça.
Voilà. C'était moins une. C'était moins une. Donc ça, il faut pas que ça réarrive. Je vais me prendre une bouteille d'oxygène sur moi. Hein. Faut pas du tout que je risque ça. Bon, la mort n'est pas très punie dans le jeu. On peut perdre des ressources en fait selon comment notre inventaire selon ce que l'on inventaire est plein. On peut perdre des ressources. Comment une espèce de nuit qui tombe là? Est-ce que c'est la première nuit? Ah, réservoir T2 reçu, ok. Ah bah, je vais m'empresser de le faire assez rapidement. C'est important, réservoir d'oxygène. Faut pour faire le réservoir. Ah oui, il faut peut-être que je construise l'établi T2. Donc, je vais le mettre là-bas. Ça va me permettre de pouvoir construire une chose un peu plus polluée. Ah bah, je construis. Je suis équipé du réservoir T2 maintenant. Faire d'autres là. Exosquelette, bien sûr. Équipé aussi. Donc, je retirer et ça voilà, ça comme ça l'exosquelette me permet de et plus de choses et manger boire. Par contre, il faudrait que je mette le voir où je... bon, électrique. Hein. Après, bon, le un écran va servir à la par où lance les informations. Dans le jeu, hein, vite à récolter les ressources, à hein, récolter les ressources, à mettre des éléments, et puis après à voir la planète évoluer. Je me rappelle de ça, vraiment très très sympa. Hâte de revoir ça parce que là, et en plus, il y a. Les features sont sorties. Il y a certainement des patchs pour ajuster. Correct. De ci et de là. Ça. Non. C'est pas comme ça, les. Comme ça, les. Oh, écran. Voilà. J'en suis. Pression, chaleur. Bon, chaleur 0, forcément. 0. Et mettre un végétal. Ah. Je crois que. Ah. Bon, voilà. Commencer. Chaleur, la chaleur, il va falloir que je chauffage comme ça, mais j'ai pas d'iridium, donc l'iridium, il va falloir
que j'aille chercher ça. Faire, c'est déjà d'aller assez pour du refaire, je crois. Refaire, je vais aller chercher. Je commençais à fabriquer ma petite base là-haut. Hein. Donc, ça sera le plus simple. Ça va être un peu embêtant. Prendre toutes mes ressources en bas là, mes petites rations. Ah bah voilà, le sac T2 qui arrive. Parfait. C'est parfait. Ici. Voilà, par là, si je me souviens bien, c'est une zone où il y a de l'aluminium. Ça va être incroyable. Ça va du fer. Ah, il arrive. Voilà. C'est à remettre. Coffre. Et puis je vais aller chercher ration en bas, parce que j'ai posé en bas. J'aurais peut-être dû faire ça directement. Peut-être perdu quelque chose là. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, mettre... prendre ma petite maison sur mon dos là. Ça aurait été bien quoi. Ce qui me faut du fait. Bon, je mets toujours là comme ça. En général, je mets les coffres à gauche et puis le constructeur à droite. Façon de faire comme ça sur le jeu. Ça change rien, on peut mettre n'importe où comme l'on souhaite. Je crois que ça vous plaît, votre intérieur. Ouais. Pratique pour vous. Pas de façon de couper. Hein. Coffre, là je viens de voir au loin, il y avait un coffre derrière. Là. Coffre là-bas, pas vu. Alors, pas du construire là, ici. Là-haut. Après, il demande de fabriquer chauffage T1, écran de compression. J'essaie de faire ça, mais il va falloir que je colle ta bêtue. Comme, hein. Explorer quoi. Et explorer. Faire un coffre. Le magnésium. À la récolte. Bonne ressource.
temps obligé d'aller la prendre pratiquement. Le jeu est addictif en fait. Toute personne qui aime bien farmer dans les jeux. Lancer sur Planet Crafter. Vous allez aimer. Ah, c'est de fer. Avec un coffre pratique. Ah, oh. D'accord. Ça va vite, hein. Et bon, les ressources vont très vite aussi à être utilisées. Très très vite. Agrandir la petite base là. Que j'aille rechercher ma nourriture en bas. La prochaine fois, ça va être, je pense, base d'exploration. Allez, là-bas, il y a le vaisseau hein, que je voyais de base en bas. Voilà, là-bas. Ou à droite, le vaisseau. Alors que j'aille explorer ça. Dans les vaisseaux, il y a des trucs sympas. Quelques vaisseaux comme ça. Allez. Cracher, allez. Explorer. Akshu. De me faire ma lampe comme ça. Bon. Parler, ça me fait pas cette lampe parce que dans les vaisseaux on ne voit rien. Par le plus sale, je me souviens. Faudrait que je refasse un coffre pour la nourriture. La grande. Voilà, mais à côté. Et les gens. Ma nourriture, le système. Ah, et là. Faire la table. Faire. Faire. Faire la ressource. Extrêmement vite dans les premières constructions. Pas hésiter à en récolter le plus possible. Un conseil que je vous donne, le faire. De toute façon, il faut un peu beaucoup de tout. Et là, je vais me mettre bien au niveau. C'est parfait. On va remettre un petit panneau indiqué. Ensuite, électrique.
Je table ici. L'écran de plan. Table. Ça, c'est mon écran là. Gauche. Voilà. Oh non, des météorites qui vont retomber. Ah ça. Bonne livraison de matériaux. Je suis à... D'accord, ouais, il faut vraiment que je fasse attention au niveau électrique. Parce que là... Voilà. Oh. Ah ouais. Faire écrabouiller. Ressources que m'assemble surtout ma nourriture. Ouais. Un peu plus tard, sinon je vais pas pouvoir ramener tout ce que. Alors ma nourriture, je prends tout ça. Le coffre, oh, je vais le laisser. Je le prends ainsi. Après, ça, c'est quoi le fer qui est... Quoi, c'est un... Ah ouais. Ok. Bruit de qui ? S'écraser dans la module. Je peux faire une éolienne. Ah bah oui, je peux faire des éoliennes là. Voilà. Ça va être un peu plus important comme ça. On va reposer des foreuses. Ah oui, mais là, complètement. Ah oui. Comment je fais là? Comment je fais? Allez. Pas passé. Ça. Ah, les panneaux solaires. Panneaux solaires, c'est pas mal les panneaux solaires. Alt. Alt là. Alt et... Affaire à silicium. Alt affaire à silicium. Un déjà. Et un deuxième si je pose... Coffre. Là. Terre. Terre après. Voilà.
Rotation assez vite. Ça, par la suite. Alors, panneau solaire. Ah. Un cobalt. Voilà, par contre, je viens de m'apercevoir que en appuyant sur la touche contrôle, là, ça me le tourne par tranche de 90 degrés. Et que bon, si j'appuie pas sur la touche contrôle. Je peux le tourner comme je veux. D'accord. J'avais pas vu ça. Je peux pas en poser d'autres. Prendre l'oxygène. Ressources. Mon passage. Voilà. Et ben voilà. J'en suis à quoi là? Chaleur, bon chaleur forcément. 0 142. Au niveau de l'oxygène, et 1000. Ah, si on s'est monté à 1, pas mal. Là, je viens de débloquer ça. Sac à dos T2, T1, je peux donc faire mon sac à dos T2. Parfait, j'ai ce qu'il faut. Voilà, maintenant je suis sac à dos T2. J'ai un peu plus de place, parfait. Réservoir T2. Réservoir T2. Pas de. Ben non, je suis en T2. Ok. Ah. Eh ben écoutez, merci d'être resté regarder cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça encourage. Ça encourage beaucoup et ça fait extrêmement plaisir aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sur Planet Crafters, très certainement. Allez, à plus !